저희 탐구생활 초반에 가장 인기 있던 컨텐츠 중에 하나가 포드 대 페라리라는 영화의 역사 배경 설명이었습니다. 이 영화는 르망에서의 24시간이라는 자동차 경주 이벤트를 영화로 만든 건데요. 1960년대 르망 경주는 굉장히 어려운 서킷을 초고속으로 달려서 24시간 동안 견뎌낸 자만이 상을 거머쥘 수 있는 자동차 경주 중에서 가장 높은 난이도의 경주로 알려져 있어요. 실제로 이 포드 vs 페라리에 나오는 GT40을 몰고 6번 르망에서 우승을 한 분을 저희가 탐구생활에서 만날 기회가 생겼습니다. 이 영화를 보신 분들은 아마 그 르망 경기 한 번을 이기기 위해서 포드 같은 대기업도 얼마나 많은 인력과 돈과 시간을 투자해야 되는지를 보셨을 거예요. 근데 이 르망 경주에서 6관왕을 거머쥐었을 뿐 아니라 또 하나의 엄청난 난이도의 경주인 포뮬러 1 경기에 진출을 해서 25번 포디움 포지션, 즉 3위 안에 드는 기록을 세웠습니다. 이분이. 그리고 이 두 개를 다 섞고 난 다음에 파리에서 아프리카 세네갈의 다카르까지를 사하라 사막을 건너서 자동차를 모는 경주인 파리 다카르 랠리 경주에서 또 우승을 하신 분이 있어요. 목숨을 걸고 하는 자동차 경주의 가장 난이도가 높은 세 개의 종목을 전부 다 섞고 나신 제키 익스가 우리 탐구생활 채널의 인터뷰에 응해주셨습니다. 무슈 제키 익스, bienvenue à Séoul et merci de venir en Corée pour parler à nos spectateurs. Merci de cet accueil extraordinaire. La Corée vient de découvrir le sport automobile et son histoire. Principalement grâce au film hollywoodien comme Ford vs Ferrari ou Rush. Et là, pour nous, la compétition qu'on voit dans les films d'automobile d'hier, d'antan, c'est un monde fantastique pour nous. Mais pour vous, c'était votre tous les jours. Dans le Ford vs Ferrari, les Coréens ont découvert pour la première fois le Ford GT40 et vous avez conduit Ford GT40 dans c'est le 24 heures du Mans, que d'ailleurs vous avez gagné 6 fois. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous en avez pensé du film. Est-ce que c'est assez proche à la réalité ou ça n'a rien à voir? J'ai vécu tout ça de l'intérieur, vous avez raison de le dire. La GT40 que vous mentionnez, avec laquelle nous avons, je dis nous parce que c'est un effort collectif, la course automobile, il y a ceux que vous voyez sur la piste, ils sont deux en principe à cette époque, et ceux qui sont en dehors de la piste qui font les voitures. Mais dans cette époque, je roulais aussi en Formule 1 pour Ferrari. C'est une chose qu'on ne peut pas concevoir aujourd'hui. Et vous avez vu le film Rush aussi ou? Bien sûr. Dans Rush aussi, on parle de moi. J'ai bien connu Loda et j'ai bien connu James Hunt. J'ai couru contre Hunt et j'ai couru, et même avec Hunt, en course de tourisme. Et ils étaient comment? On les présente comme des ennemis qui se réconcilient. C'était des hommes différents, mais qui s'entendaient bien. Mais le sport automobile, c'est un sport de combat. Il y a des hommes à battre. Il s'agit d'être le premier. Il n'y en a qu'un de premier. Les cadeaux ne sont pas permis, entre guillemets. Mais c'est joliment présenté parce que ça finit bien, quelque part. Et c'est très rare de trouver quelqu'un qui était champion de Le Mans et champion de la Formule 1 en même temps. Est-ce que les deux disciplines exigent d'un homme des choses tout à fait différentes? C'est quoi la différence dans la préparation mentale, disons philosophique, pour confronter les défis qui présentaient chacune des disciplines? Dans les années 60, les années 70 et même le début des années 80, c'était une spécificité de tous les pilotes de savoir tout faire. La notion d'exclusivité pour une seule discipline n'existe pas. Mais c'est vrai que je fais partie aujourd'hui de ces dinosaures, quelques dinosaures restants, qui ont tout fait. Et je dois admettre que j'ai eu la chance d'être entouré par des gens qui m'ont permis de gagner dans toutes les disciplines. C'est-à-dire la moto, j'ai fait beaucoup de courses de moto, les voitures de tourisme, ensuite les voitures d'endurance, ensuite la Formule 2, la Formule 1 et les courses tout-terrain, qui est le Paris-Dakar, qui est une course de tout-terrain très extraordinaire et qui se dispute en Afrique. Et vous avez conduit des voitures dont rêvent les enthousiastes aujourd'hui, les jeunes qui n'ont connu ces voitures que dans les musées, où on vous voit dans les photos sur le siège d'une Ford GT40 ou Porsche 935 ou Ferrari 300
V12. Conduit encore, ceux qui en ont la chance, ces voitures que vous avez vues en images ou dans des films, on les utilise encore sur la piste aujourd'hui. Il y a des courses qui s'appellent des courses classiques pour gentlemen, où ces voitures roulent. Il m'arrive régulièrement, une fois l'an, je dirais, de conduire une Porsche 936, une Porsche 962, une Porsche du Dakar, une Ferrari de Formule 1 avec laquelle j'ai gagné le Grand Prix d'Allemagne. Il m'est arrivé de conduire des Ferrari 312 PB. Oui, ça existe toujours. Il y a beaucoup de succès, beaucoup de public pour voir les courses classiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... Moi, je fais des démos. Je suis arrivé à un âge où je préfère faire des démos plutôt que de faire des freinages incroyables et tout ça. Mais je conduis ces voitures. Et les courses sont des courses sérieuses où les gens vont vite, vraiment. Je crois que c'est assez humain de n'aimer que les voitures avec lesquelles vous avez gagné. C'est une réponse vraiment spécifique, mais c'est la vérité. J'ai roulé 2 ans chez Lotus. Je n'ai pas gardé des souvenirs extraordinaires parce que j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais bien sûr, la vie s'est faite de haut et de bas. 제가 채널에서 모터스포츠에 대해서 몇 개의 콘텐츠를 만들었는데 포뮬라 1 역사 배경 설명에서는 1960년대, 70년대 포뮬라 1 경주는 지금과 굉장히 다르다는 얘기를 한 적이 있습니다. 지금도 자동차를 초고속으로 몰아야 하는 모터스포츠는 목숨을 걸고 하는 일이지만 제키 익스가 운전을 하고 있을 때는 훨씬 더 심했습니다. À votre avis, qui a conduit et qui a gagné dans les voitures dont rêvent les gens, c'est quoi la plus grande différence entre les voitures de course des années 70-80 et les voitures de course d'aujourd'hui que conduisent les pilotes comme Lewis Hamilton? Il n'y a pas de comparaison possible. C'est le jour et la nuit. Comment ça? Mais vous devez remonter plus loin. La course automobile, elle existe depuis la naissance de l'automobile, grosso modo. Mais les courses des années 30, était encore bien plus risqué. Il n'y avait pas de circuit, il n'y avait que des routes ouvertes. Donc toute cette période, jusqu'à la mienne et celle qui a suivi la mienne, pour donner une image, les protections de sécurité, à mon époque, s'appelaient des bottes de paille. On mettait de la paille, des blocs de paille, le long des circuits, en cas de sortie de route. Waouh, c'était tout. C'est pour ça que je dis le jour et la nuit. Aujourd'hui, vous avez des voitures qui techniquement ont énormément évolué, des voitures qui ne se raccourcissent pas d'un mètre quand elles tapent dans quelque chose, parce que ce n'est plus des châssis tubulaires, c'est des monocoques avec le matériau le plus dur du monde, le carbone. Vous avez des circuits où vous avez énormément d'espace partout. Moi, j'ai fait des courses sur un circuit qui s'appelle Francorchamps. Le Grand Prix de Belgique se passe à Francorchamps. Sur la piste qui faisait 13,9 km, il y avait des fils de fer barbelés, des bottes de paille, des ruisseaux, des fossés, des clôtures, des maisons. Et sur cette piste, un jour, aux essais d'une course d'endurance, j'ai fait 263,5 de moyenne, il y a 50 ans, sur une route normal. Mais c'était comme ça les courses de l'époque. C'est pas le Francorchamps d'aujourd'hui. Non, le Francorchamps d'aujourd'hui, il est nouveau. Il a toutes les impositions réglementaires pour faire de la course automobile. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Mais ce qui nous a motivés à cette époque-là, c'est la passion de faire ce qu'on aimait. Pas la passion du danger ou du risque. La passion de faire de la course. Donc, ça, ce choix-là, c'était un choix humain. Vous avez couru à Nürburgring, le côté nord, dans la pluie. Nordschleife. Ça doit être même pire. Oui, c'est encore une autre différence. Vous nous demandez ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'à l'époque, quel que soit le temps, la météo, que ce soit pluie ou non, on ne se posait jamais la question de savoir si on pouvait partir ou pas. Le principe, c'était de partir. Et d'aller jusqu'au bout. Évidemment, ça prend plus de temps. Mais jamais on arrêtait à l'époque une course. Je pense que j'ai été probablement le premier en Formule 1, parce que j'étais aussi directeur de course à Monaco. Le premier à arrêter une course sur la pluie. Tellement la pluie était forte, l'idée en automobile, c'est pas de se faire mal quand même. L'idée, c'est de protéger la vie de ceux qui font ce qu'ils aiment. Là, il pleuvait tellement, j'ai arrêté cette course. Mais aujourd'hui, c'est une question permanente.
quand et comment peut-on courir et avec quel pneu on peut courir en Formule 1 aujourd'hui ou en sport prototype. Aujourd'hui existe un moyen de neutraliser une course avec ce qu'on appelle une voiture de sécurité. Mm-hmm. Alors vous faites low pace, vous allez doucement, vous faites suivre tout le monde jusqu'au moment où les conditions s'améliorent. Mais ce n'est pas vraiment l'essence originale, quand je parle d'essence, la base originale d'une course automobile. Les courses étaient conçues pour rouler par tout temps. Après, vous avez fait champion des deux disciplines, comme vous avez dit, de Le Mans et Formule 1. Et après, vous vous êtes lancé à Paris-Dakar en rallye. Et c'est assez extraordinaire comme décision, parce que vous étiez déjà une célébrité absolue dans le monde de l'automobile. Vous étiez déjà un homme avec une famille. Et normalement, si on arrive dans cet état, on prend moins de risques. Et j'imagine que traverser tout le désert de Sahara dans une voiture à tout terrain n'est pas dans la liste des choses qu'on fait quand on devient un papa. Donc, comment est-ce que vous avez pris cette décision? Vous parlez d'une course qui s'appelle le Paris-Dakar. Je pense que c'est la course la plus difficile du monde, quelque part. Pourquoi? Ça représente 3 semaines de course. 3 semaines. Ça représente, selon les années, 10, 12 000 et même 14 000 kilomètres. C'est important. Vous allez dans des endroits désertiques et inhospitaliers. Mais aussi, quand vous allez dans des espaces aussi grands et aussi inhospitaliers pour des Occidentaux, vous avez la chance d'aller dans des endroits comme ça. Vous prenez exactement la mesure de ce que vous valez comme humain. C'est-à-dire que si vous volez à 10 000 mètres d'altitude, ça vous ramène au sol. On ne peut pas tricher. Dans le désert, on ne peut pas tricher. Surtout ceux qui n'y ont jamais vécu avant, vos chances de résister, elles sont nulles. C'est pour ça que je dis que c'est... Je l'ai même fait seul une fois, le Dakar. C'est-à-dire sans assistance, sans copilote. Waouh. Vous avez fait tout Paris-Dakar sans copilote? Sans assistance. Waouh. Ça veut dire que vous devez travailler sur votre voiture tout seul, l'entretenir tout seul, préparer l'étape du lendemain tout seul, et puis quand vous êtes ensablé, vous devez sortir tout seul. Ce que font toutes les motos, je précise. Il faut que vous sachiez que le Dakar, c'est une course de moto aussi. Les motards sont seuls sur leur machine. Oh, je ne savais pas. Ah oui, il y a des motos, des voitures et des camions qui font la course. Il y a quelquefois 400, 500, il y a eu même 600 concurrents. Mais une moto, vous êtes seul. C'est plus léger qu'une voiture. Donc c'est un peu plus facile à manier. C'est plus fatigant, mais plus facile à manier quand vous êtes prisonnier. Mais pour sortir du sable avec une voiture, quand vous êtes planté dedans, c'est compliqué. 다시 말하면 그때 레이싱을 하는 분들은 매일같이 죽음을 직면하면서도 자기가 사랑하는 스포츠를 위해서 목숨을 매일같이 걸었다는 거죠. 사실 현대인들은 많은 안전장치에 둘러싸여서 살고 죽음과 워낙 먼 생활을 하기 때문에 매일같이 죽음을 직면하는 사람만이 깨닫게 되는 어떤 삶의 지혜가 무엇일까 궁금했습니다. Il faut pas de courage pour faire ça. Parce que si vous devez commencer à être courageux et en même temps réfléchir au danger, vous n'êtes pas performant. Ah non. L'avantage, c'est que quand on est jeune, on peut tout faire, on est éternel, quelque part. Ouais. Ça, c'est la qualité essentielle de la jeunesse. On n'a peur de rien, en principe. C'est formidable. C'est seulement quand on commence à réfléchir à des choses un peu compliquées qu'on se dit « Oh, ça c'est négatif, ça c'est positif. » Mais quand vous êtes jeune, vous ne voyez que le positif. Et dans le cas de l'automobile, clairement, si vous commencez à penser au fait que c'est dangereux, c'est sûr que vous êtes battu. Ah oui. C'est un aspect des choses. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas du courage. Il faut seulement aimer quelque chose suffisamment passionnément pour avoir envie de le faire. Mais il ne faut surtout pas d'a priori sur la notion de danger, parce que sinon tout le monde vous bat. Mais la vérité, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour faire du sport. La jeunesse vous permet de battre les records d'athlétisme, de tennis, de football, de tout ce que vous avez envie de faire, de voile. Mais de toute façon, c'est un temps imparti pour chacun. Parce que en finale, c'est toujours le temps qui gagne. En réfléchissant à votre jeunesse, même si vous dites que ce n'était pas de courage, vous avez quand même confronté la limite de la contrôle humaine, limite de l'endurance humaine.
limite de courage presque tous les jours. Vous avez fait face à, en quelque sorte à la mort presque tous les jours. Et après avoir fait ça dans la jeunesse, quelle est, disons, la conclusion philosophique à laquelle vous êtes arrivé après avoir passé par tout ça? La notion de faire des choses exceptionnelles, c'est une banalité quelque part. Nous avons devant nous des exemples à travers les générations, à travers le temps, de la capacité humaine à être inspirée à faire des choses incroyables. Imaginez qu'en 1420, les Espagnols et les Portugais étaient déjà à la hauteur du détroit de Magellan en Amérique du Sud, sur des bateaux sans GPS, en regardant seulement les étoiles, sur un bateau avec des cordages, des voiles, avec une flottaison limitée. Ils quittaient l'Espagne ou le Portugal à Cabo Finisterre, au Cabo San Vicente, et ils partaient, mais au bout du monde, à la voile, dans lequel il fallait solutionner tout, la jungle, le ravitaillement, l'eau, les maladies, les serpents. En 1520, Alvarez Cabezo de la Vaca, il débouche aux chutes de Iguazu, qui sont, avec les Victoria, une des plus grandes chutes du monde. Ces gens-là sont les gens qui nous ont fait avancer, les grands navigateurs en cours aujourd'hui qui font la course autour du monde. Celui qui gravit les montagnes ou qui bat des records sur des falaises en granit comme à Yosemite Park, Alex Honnold par exemple. Il monte 1000 mètres sans sécurité, une paroi lisse seulement avec des fentes dans le rocher. Nous sommes entourés de gens qui font des choses formidables, dans l'anonymat aussi. C'est la spécificité de l'homme. Bien sûr, on évolue avec le temps, c'est clair. C'est pour ça que je répète, on a un temps pour chaque chose. Chaque vie est intéressante à des niveaux différents. Et plus on avance, plus on comprend qu'on n'est pas éternel. Notre vie sur cette planète est courte, ridiculement petite. Tâchons de la faire bien. 오늘 인터뷰를 통해서 제가 생각할 때 가장 제 마음에 와닿았던 멘트는 이거였던 것 같습니다. 우리가 어떤 행동을 하든, 특히 자동차를 고속으로 보는 것 같은 위험한 행동을 하면은 항상 거기에서 오는 긍정적인 요소들이 있고 자동차를 보는 재미와 스릴과 우승에 대한 가능성, 또 우승을 거머쥐었을 때의 기쁨 같은 것들이 있고 그 다음에 네거티브한 결과가 있을 수도 있겠죠. 뭐 사고가 난다든지 심지어는 목숨을 잃을 수도 있는데 사람이 나이가 먹는다는 것이 젊었을 때는 긍정적인 거에 집중을 하고 부정적인 게 잘 안 보이다가 나이가 먹을수록 이 부정적인 면을 점점 더 많이 깨닫게 된다는 얘기였던 것 같아요. 그래서 젊었을 때는 긍정적인 면만 볼 수 있기 때문에 할 수 있는 것들이 있고 예를 들어서 신나면은 위험에 대해서 완전히 잊어버리고 우승을 위해서 달려갈 수 있는 그런 패기는 젊은이들의 것이고 또 점점 더 밸런스를 볼 수 있게 되는 어떤 중년에만 할 수 있는 것들이 있고 이런 것들이 다 다른 가능성을 가지고 전개된다는 이야기였어요. 우리는 지금 젊음을 숭상하는 그런 시대에 살고 있기 때문에 사실 패기가 있는 시절만 가치가 있다고 생각을 하지만 제키 익스는 오랫동안 나이가 들어가면서 다른 종목에 도전을 했고 또 지금도 많은 활동을 하고 계시기 때문에 각 인생 스테이지가 다른 우리 마인드셋을 가져다주고 그 마인드셋마다 이룰 수 있는 일이 바뀌는 것뿐이지 꼭 이게 좋고 이게 나쁜 게 아니다 라는 얘기가 가장 감명 깊었습니다. Bonjour à la Corée. Mon nom est Jackie X. J'ai une vie très exceptionnelle. J'ai fait de la course automobile. J'ai eu la chance d'être entouré par des gens de très grande qualité. Et je suis leur miroir, quelque part. Je suis ce que ces gens ont fait de moi, c'est-à-dire une histoire qui est certes exceptionnelle, mais qui est la vie de tout un chacun, c'est-à-dire un chemin sur lequel vous rencontrez des gens, vous faites votre propre histoire, et dans une vie qui peut être heureuse, moins heureuse, avec des hauts, des bas, je suis cet homme-là. 오늘 조성현의 탐구생활은 여기서 마무리하고요. 다음엔 더 재밌는 문화 역사 이야기로 여러분 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.